Monsieur Thierry Lagesse, comme vous le savez, a respecté ses engagements en rentrant au pays ce matin. Et mieux encore, il est rentré plus tôt que prévu. Et notre client a, au cours de son enquête, réaffirmé, premièrement, qu'il n'avait absolument rien à faire concernant les démarches relatives à la taxe douanière et à la sous-évaluation, et que, deuxièmement, il n'a commis aucune infraction concernant l'importation de cette voiture. Monsieur Lagesse a aussi, dans son enquête, fait comprendre que la MRA lui avait, depuis le 24 octobre 2012, dans un courrier, lui avait reproché l'utilisation de cette voiture et lui avait proposé la possibilité de compound the offense. Et suite à ce courrier, M. Jason Harrell, mon collègue qui paraît pour avec moi, M. Thierry Lagesse, avait écrit officiellement à la MRA pour leur demander des particulars, c'est-à-dire des détails concernant ce qui était reproché à M. Thierry Lagesse. La MRA n'a jamais fourni ces détails, mais a arbitrairement référé le dossier à la police. Nous considérons donc que ceci constitue un abus de procédure et par conséquent, après avoir consigné sa version des faits où il a dûment expliqué tous les détails, M. Thierry Lagesse a préféré ne pas répondre aux questions afin de ne pas que ses droits ne soient pas lésés. Okay? Et là, aujourd'hui, on va retourner aux casernes centrales afin de boucler l'enquête d'ici ce soir et nous, on compte fermement que M. Lagesse soit libéré sous caution demain. Et si cela n'est pas le cas, on vient là tout juste de faire une motion devant son honneur, le magistrat de la Cour de Provenu numéro du Sud, et pour que le procès soit écouté le mercredi 28, c'est-à-dire le hearing for bail. Voilà, c'est ce qu'on avait à dire, mon collègue Jason Harrell et moi-même. Merci. Les accusations provisoires y entrées au complot, comme cela avait été déjà reproché dans les médias, comme je l'avais dit au cours de ma première déclaration. Et bien sûr, on a refuté, on a catégoriquement refuté ces allégations. Ok, merci bien.